Salut à tous. Alors tout d'abord, je dois vous informer d'un truc. Ça c'est une vidéo qui est spéciale, on va dire. Je sais que je dis ça souvent, mais là c'est vraiment le cas particulier. Alors pourquoi? Parce que ça fait environ 2-3 semaines que j'enregistre plus Golden Sun. Parce que j'avais un problème d'enregistrement, enfin je croyais que c'était un problème d'enregistrement, et je me suis en fait rendu compte que... Je me suis rendu compte, en fait c'était pas un problème d'enregistrement, mais c'était un problème de réglage d'émulateur, où j'avais fait un réglage sur l'émulateur pour aller plus vite, en jouant à un autre jeu hors vidéo, et du coup j'ai oublié de l'enlever. Et après l'enregistrement, le son, ça, il y avait plein de coupures et tout ça, donc là je viens de me rendre compte que maintenant, que c'était ça le problème, donc voilà, c'est réglé hein, maintenant, donc c'est déjà ça, parce que à la base je croyais que c'était la webcam, parce que j'ai un peu coupé le fil de la webcam, je croyais que c'était ça le problème, mais en fait non, donc non, voilà. Alors oui, c'est un peu spécial comme je vous dis, parce que j'ai dû recommencer depuis le désert. Le désert de Lamacan, que vous vous rappelez, où il y avait un espèce de truc à tête de lion là, à la fin, comme boss. Donc j'ai dû recommencer depuis là-bas, revenir jusqu'ici. Oui, parce que j'avais continué le jeu, j'avais enregistré une dizaine de vidéos, on va dire 2h30 environ. Non, c'est plus d'une dizaine, mais ouais. Environ 2h30 de vidéo. Et j'ai fait des sauvegardes rapides. Ça a sauvegardé par-dessus mes anciennes sauvegardes rapides. Bon, je sais pas si vous me suivez, mais je continue. Et donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que ouais, j'ai dû recommencer depuis le désert. Et 2h30 de vidéo gâchée. Donc là ouais, en fait j'étais assez loin dans le jeu, j'étais 2h30 plus loin que là où que ce que vous voyez là. En vrai je suis obligé de tout recommencer maintenant. Ce qui fait qu'il y a des sauvegardes rapides de après que j'ai. Je vais vous montrer ça après le combat. Voilà, je vous explique. Merde, qu'est-ce que je fous. Et en plus, je suis nerveux ce soir, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Donc alors, en clair. Pour celui-là, pour les autres vidéos. Donc j'ai plein de sauvegardes rapides, hein. Voilà, j'en suis là. Ça, c'est 2h30 plus tard que là où j'en suis. Hein. Vous voyez, j'ai bien avancé. Hein. J'ai pas mal de bons équipements. Et donc ouais, à un moment j'ai recommencé à partir de là. Parce que là j'étais allé à Tolby, j'avais fait plein de jeux, et j'avais récupéré plein d'objets, surtout les bottes de hâte qui augmentent l'agilité, qui sont vraiment géniales. Et donc là, je vais pas prendre les coffres. Les coffres de maintenant, je vais pas les prendre. Parce que je les avais déjà dans les sauvegardes d'après. Enfin, vous avez compris. Par contre, je vais quand même prendre les jeans pour vous montrer comment on les obtient, quoi. Que ça c'est impératif. Donc là oui, je vais arrêter de parler de moi un peu, je vais parler du jeu. Hein. Vous êtes quand même pas là pour écouter mes trucs. Hein. Donc ouais, là on devait aller chercher... je sais même plus de son... comment il s'appelle. Ouais, Babi, voilà. On devait chercher Babi. Enfin, on devait pas le chercher, mais... Si vous vous rappelez bien, j'étais allé au nord de la ville et ils disent est-ce que vous avez vu cet homme? Et on voyait une espèce de photo là. Alors déjà, faudra nous dire comment ils ont fait une photo avec de la synergie peut-être, synergie photo. Enfin, bon, c'était peut-être un tableau ou un dessin, je sais pas. Et donc, ouais.
Et là, donc, comme c'est le seul endroit où on peut aller, on est obligé d'aller là. Hein. Et là, on va se rendre compte que Babi est par là. Donc là, ce coffre, c'est un coffre que je ne prendrai pas, mais c'est une mimique, un faux coffre, un ennemi. Et alors, golem de chair, ça c'est assez puissant, cette merde. Je suis assez chier. Vous allez voir, c'est vraiment très résistant comme truc. Donc comme j'ai dit, je prends pas les coffres parce que je les ai dans les sauvegardes d'après. Là j'ai un équipement assez faible par rapport à après aussi. T'as pas plus dégueulasse comme attaque, mais putain. C'est crade comme truc. Donc ouais, là en vrai, normalement j'ai une épée super puissante, mais bon. Au-delà de là, il a toujours son sa vieille épée, du coup. Bon, je m'en sortirai sans, parce que de toute façon, il n'y a pas de boss pour l'instant. Donc voilà, là on voit une espèce de un contour, là. Un humain. Là, si vous remarquez, ça ressemble un peu à la photo de Baby. Enfin, le portrait. On marque la forme. Donc là encore dialogue inutile. Et ça, j'étais plus habitué au dialogue inutile parce qu'en ce moment je fais Final Fantasy 5, 6 et RNH. Donc en général c'est aller chercher une potion, ok, voilà dans l'FF. Et là ils vont discuter pendant une demi-heure hein, comme d'habitude. Bon, en clair, là il dit que sa vie dépend de ce breuvage et qu'il faut aller le chercher. Mais il faut toujours qu'il nous casse les couilles. On va parler pour rien. Donc là je passe les dialogues, je vous jure, il dit rien d'autre. Après, c'est de la merde. On va donner lui, donnons-lui un coup de main, etc. Machin. Donc là il disait qu'il faut aller au fond de la caverne. On trouvera 5 pierres, il faut tourner celle qui est la plus à gauche et celle qui est la plus à droite. Des lumières colorées apparaîtront. Donc là il dit toutes les couleurs carrément, lesquelles qu'il faut qu'on trouvera, etc. Il dit l'ordre des couleurs, mais ça sert à rien du tout de nous dire ça, parce que de toute façon on va le voir nous-mêmes. Voilà. C'est bon. Donc là, le but c'est juste d'aller chercher la potion. Donc là, il nous arrête juste pour nous dire que c'est sur une. Que le breuvage est sur une étagère. Hein. Donc là, ça aurait été trop facile, si on pouvait passer par là, on peut pas. Alors, est-ce que j'ai bien vision, voilà. Alors là, si vous voulez voir plus, on peut faire vision pour voir les endroits. Oh les sao. Je vais refaire le batteur alors. Non, ça m'énerve vraiment de refaire 2h30. Là. En plus j'étais assez loin dans le jeu. Et ce qui me saoule le plus, c'est que j'avais fait des super bonnes vidéos, quoi, pour une fois. J'avais des bons commentaires. Et c'était trop beau pour être vrai. Donc maintenant, je vais tout recommencer. Donc là, il y a des coffres, hein, je récupère rien. Oui, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser vision. Pour se repérer.
Ouais, dans le coffre là, je crois qu'il y a un cookie, ça augmente une stat. De toute façon, il n'y a pas d'armes ou d'armure hein, dans cette caverne, je vous rappelle. Je vais me prendre un putain de pain dans la gueule. Alors là, un djinn. Un djinn Jupiter. Alors, pour l'avoir, je vous montre. Tout d'abord faire ça. Attendez que je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Donc là, la flaque ne sert pas à rien, bien sûr. C'est ça. Ensuite, faut aller faire quoi? Passer, ouais. Voilà. Et faire ça. Donc là, je sais plus s'il vient direct ou pas, mais je me prépare au cas où. Voilà. Ah ben, j'ai bien fait. Donc je fais Apocalypse et Météor, il est mort. Je vous le montre pas, je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Moteur, je pense que vous l'avez déjà vu, voilà. Je fais ça et après, plus par le moteur. Oh, ça, la gueule. Voilà. Donc, Garrett a pris tempête de feu. Donc, voilà comment on obtient ce line. Là on est obligé de le mettre à Garrett en fait, donc je vais pas le mettre, je vais le laisser comme ça pour pas changer sa classe. Alors ensuite, il faut pas oublier, c'est ça. Voilà. Ensuite, parce que j'ai bien pris la vision. Là il y a un coffre, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis, je le prends quand même. Voilà un cookie. De toute façon, je vous l'ai dit, tous les coffres d'ici sont pas très intéressants. Enfin, prenez-les quand même quand vous jouerez. Hein. Alors, je dis ça, si ça se trouve, personne va jamais jouer. Mais... Enfin, s'il y en a déjà pas mal qui suivent, qui jouent. Alors, je dis ça, il y en a combien qui suivent mes vidéos hein. Il y a 5 personnes en tout cas, c'est. Enfin, j'ai quand même 40 vues, on va dire, en moyenne par vidéo, mais ceux qui laissent des commentaires, il y en a 5. Hein. Enfin, moi, je m'en fous, personnellement. Hein. Pour en avoir même 2, je m'en fous. Hein. Je continuerai. Dans tous les cas. Alors. Enfin, maintenant qu'il est tout seul, là, je vais l'attaquer, par contre. Je fais la technique du lâche. J'attaque que s'ils sont tout seuls. Et voilà. Donc, ok, je vais passer par en bas. Là, un truc que j'ai jamais compris, à quoi servent ces poteaux, parce qu'il n'y a pas besoin de les bouger en fait. Donc on peut pas passer par là, de toute façon. Ah, quoi, peut-être que si en fait. Ah ouais. Ah non. Je crois pas en fait. Non, on peut pas passer par là. Donc ouais, les poteaux servent à rien. Hein. À part à nous faire croire qu'on peut passer par là, peut-être. De toute façon, on peut pas. Mmh.
suffit de descendre. Voilà. Alors là, il a dit qu'il fallait toucher la pierre, la pièce à gauche et la pièce à droite. Ça fait apparaître ça. Un truc avec des couleurs. Donc trois couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, blanc. Bon, ça ressemble pas trop à ce que j'ai dit, mais c'est pour ça, ça. C'est pas du rose, c'est du rouge. Donc voilà, on fait vision. Et là, faut toucher la couleur qui brille en fait. Donc là, c'est le blanc, faut toucher le blanc. Enfin, c'est toujours la couleur le plus en haut. Il faut répéter l'opération deux fois. Donc c'est aléatoire selon les parties, hein, c'est pas tout le temps pareil. Donc là, ouais, c'est difficile de faire la différence entre le bleu et le vert, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, le bleu. Ouais. Donc voilà, ça prend un trou dans la roche. Il aurait pas pu trouver plus simple pour trouver cacher son truc. Hein. Autant le mettre dans le cul d'une chèvre. Parce que franchement là, c'est vraiment chiant à aller chercher quoi. Donc là je fais fuite pour aller voir le gars directement. Hein, parce qu'il est au début de la caverne. C'est vraiment chiant de faire tous les retours. Voilà. Donc à la prochaine vidéo, vous verrez la suite. Allez, salut.